le vlogmas numéro 4, si je me trompe. Non, numéro 4, c'est ça. Alors, aujourd'hui, je suis très très fatiguée. Là, vraiment, je sens la fatigue. Il est 13h15, j'ai passé ma matinée à monter ma vidéo. Donc là, je viens de terminer. Il me reste plus qu'à faire ma miniature, mais je ferai ça un petit peu plus tard. J'ai décidé aujourd'hui de ne pas me décaler. Quand je me suis réveillée, je suis allée à la boulangerie me prendre un petit croissant pour le petit-déj pour manger devant mon montage. Aujourd'hui, je suis trop contente parce qu'on fait le sapin. Je suis trop contente, vraiment. Je voulais aller chez Monop ce matin pour acheter de quoi faire ma quiche, mais au final, j'ai pas eu le temps. Donc je pense que j'irai tout à l'heure. Si j'y vais, hein, peut-être que je vous fais des faux espoirs depuis le début. Je vais me faire à manger. Je vais me faire aujourd'hui pâtes de lentilles corail. C'est plus sain que des pâtes classiques et en plus c'est plein de protéines, donc c'est plutôt cool. Et avec ça, je vais me faire une escalope de soja. Et j'ai vraiment une tête de fatiguée. Et je vous promets que après ça, je vais prendre une giga douche. Je vais me laver les cheveux, je vais me maquiller et je serai bien plus présentable. Trop bon. Les steaks de soja, c'est Erta qui fait ça. C'est vraiment super bon. Vraiment, je vous conseille de goûter. C'est un espèce de gros nuggets. Enfin, c'est vraiment trop bon. Et là, j'ai mis de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et puis, je vais manger ça. Bon, je suis prête. Il est super tard. J'avais plein de trucs à faire. Et du coup, il est 15h45. On va à la recherche d'un tapis. Quoi? Mais qu'est-ce que je raconte? D'un sapin. Let's go. Pour ma tenue, j'ai mis un petit haut qui vient de chez The Other Stories. J'ai mis mon manteau Zara, vous savez que je l'aime trop. Et j'ai mis une petite jupe avec des petits collants à pois, trop mignon. La jupe, elle vient de chez Zara aussi, mais ça fait longtemps que je l'ai. Et toujours mon petit sac, j'ai hâte de le changer, je ne peux plus me le voir. Mais normalement, c'est indiqué partout en plus. Ouais, pas mal de sapin. Ah, j'en vois. Mais non. Animalis. Mais non. Ouais, je crois que c'est des sapins. Ouais, vas-y, autant aller là-bas. Que... Non, je te jure. Ouais, mais autant aller là-bas. Il y en a là. Animalis. On cherche désespérément un sapin. Mais on est en train de se dire qu'on va peut-être le faire lundi. Comme ça, aujourd'hui, on achète tout parce qu'on a vraiment rien. Et on le fait lundi. Puisque demain et après-demain, je travaille. Comme ça, je pourrais le vlogger. Sapin. Il n'y en a pas beaucoup, on va pas avoir le choix. Flemme. Bah, c'est qu'ils font un truc, qu'ils font un peu la gueule, quoi. Non, franchement, ça va. Hein. Regarde, il est tout cassé sur le côté. Je me rends pas compte si c'est cher. J'appelle ma mère. Si c'est pas cher, bah on voit, mais sinon c'est la taille en dessous, c'est quoi, les bleus? Je sais pas, en vrai, le bleu. Ouais, est-ce que tu peux me dire 80 euros pour un assez grand sapin, c'est cher? Mais il est gros quand même, mais normalement tu payes combien, genre 70 cm? De large. C'est horriblement cher, elle a dit. Non mais de large, de haut il doit faire 2 mètres de haut. Non mais de large, c'est de large. De haut il doit faire 2 mètres. La hauteur, 2 mètres, tu penses? 2 mètres. Elle m'a dit c'est un peu cher. Comment je fais? Bon, on bouge d'endroit alors, on va essayer d'aller ailleurs. Ouais. Et là, je trouve ça très cher. D'accord. Ouais, en plus, ils sont pas ouf. Merci beaucoup. Je t'en prie. Comme ça, c'est réglé. C'est trop moche. On dirait qu'on demande la lune, un sapin, c'est pas compliqué. Enfin, Versailles, payer son sapin 150 euros le petit. Non, merci. On est sur la bonne voie. Ah, bah, c'est là. Ça. Là, tout là, c'est que des sapins. Vas-y, Ikea. La pluie là, c'est beaucoup là. Ça trouve, fallait aller là. Ah, ouais, de ouf. Uniquement disponible en click and collect. Vas-y, peut-être que je peux le faire maintenant. Ah, bah, j'espère bien. Chiant. Ah bah les rendez-vous tu les connais, tu sais comment ça va se passer. Le rendez-vous il va être dans 3 jours. Pourquoi il n'y a pas de stock alors qu'il y en a 550? On n'a pas du tout de sapin là. Les sapins. Ah mais il doit y avoir des décos, il faut regarder aussi. Oh là là. Oh là là. Mais on a bien fait d'aller là. Par contre c'est moins cher. Wow. Celui-là. Mais c'est trop petit. Ouais, c'est trop petit. Attends, il y a plein de trucs là. Ça me donne envie de tout acheter, je sais pas ce que j'ai. Oh là là. C'est horrible de faire ce qu'on fait là. Des petits animaux. Ouais, faut vraiment on passe en balle parce que ça me prend le cœur. Bah surtout qu'on veut pouvoir en acheter. Tout est possible, c'est Noël. Oh non, ils sont trop mignons. Ça me prend le cœur. C'est moins cher qu'un sapin. Il y a des chats. Je vais pas te croire. Il y a des chiens. Il y a des chats. En gauche, c'est des chats. À la droite, c'est des chiens. Ah, non, c'est des petits chiens, ils ont pas le droit. Là. C'est pas possible. Non, mais les pauvres, c'est pas possible. Oh non. Regarde, il fait dodo. Oh non, c'est trop. Regarde. C'est pas... Oh non, c'est pas possible. Tu peux te sortir.
maintenant. Il est petit quoi, mais après faut pas oublier qu'il y a un pied. Il a regardé un autre. Ouais. Moi aussi je veux bien un peu plus grand. Vraiment dépenser dans des avant de Noël, ça, c'est pas du tout à 19 ans. Pour l'instant c'est pas mon délire. J'ai vu que votre collègue disait qu'il y en avait des plus grands que d'autres. Ah ouais, après ça dépend aussi de la largeur qu'on veut chercher pour mettre dans la pièce. Si vous avez la place et que... Bon, on a la place, mais nous on a la place, c'est plutôt le plus grand possible, mais après les tarifs ça s'envole donc... Ah oui, c'est ça. Donc on se disait ça... Dans ceux-là, ouais. Là, prendre... Si vous voulez que ce soit assez large, pas trop large, après c'est comme vous voulez. Ça nous dérange pas si c'est grand. Si ça touche ou pas, c'est quand on a pas de défaut de mettre aussi dedans. Ouais. Puis là, il est là. Bah franchement c'est bien. Non, en fait ça se fait. Ah il est bien hein. Ouais, non. Parfait. On va aller juste le remettre en dessous de la barre. Dis la vérité. Ah non, ouais, je me rends pas compte. C'est toi. Non, il est bien. Ça tient là. Ok. Super. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Genre ça coûte 10 euros et t'en as plein. Bah. Et là regarde, t'en as des dorés et tout. Et t'as des guirlandes. Et il y a des petits accessoires, j'ai envie d'acheter des trucs pour décorer. Et en Vicandol, c'est tellement cool. 9 boules, 4 balles, en or, en vert, putain. C'est pas cher. Enfin, c'est voilà. Pas cher, ouf. Ouais, bah let's go. Je fais Smash Magic. J'aime trop. Ah ouais, c'est un bon de ouf. Il faut acheter ça. Quelle couleur? Doré, non? Ils sont pas ouf. Non. Je sais pas. Viens, viens, on achète une ici. Ok, juste viens, regarde vite fait les guirlandes lumineuses et combien ça coûte. Mais viens, on regarde juste les prix des guirlandes au cas où. J'ai envie de cookies là. Non. Je veux au moins une tisane de Noël, s'il vous plaît. Ouais, 6 balles. Non, mais viens, on mange des cookies. Y'a pas juste une tisane de Noël, s'il vous plaît, ça fait 150 ans que j'en veux. Ça a l'air bon ça. C'est quoi? Des noisettes. Oh là là. 4 balles. Putain. Oh, vas-y, viens, on en mange un peu dans la voiture. Ouais. Et voilà, on a enfin le sapin. Oh là là. Lundi, on va faire un sapin sublimissime. Ça va être long d'attendre. En fait, du coup, je vous ai pas expliqué pourquoi j'ai galéré autant et tout. Bon, déjà, il y a pas de sapin. On a cherché pendant 150 ans vraiment. J'ai pas beaucoup vlogué, mais on a cherché pendant plusieurs heures. Et en fait, on n'a jamais fait de sapin de notre vie. Genre, jamais, jamais. Et à la base, on n'est pas trop Noël. Du coup, mettre 80 euros dans un sapin, c'était pas trop notre délire. On a pris des cookies, l'oratol, ils sont super bons. Essayez les big moelleux lait, en plus proche. Non. Ouais, mais c'est ton masque, t'as envie. J'avoue, ils sont incroyables. Voilà. Vas-y, on achète tout le magasin. On achète des chapeaux de fête. C'est quoi ça? Ah, c'est des... Chapeaux de fête. Mais y'a rien. Mais arrête, le mec, ça fait, on a fait 1 mètre dans le magasin. C'est ça que t'as vu à 4 euros sur le site? Mais oui, ils sont minuscules. Bah oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Mais y'a rien dans ce pays. Ah, en revanche, il y a des guirlandes à 5 euros. Ça doit être pour les sapins, je pense. J'ai envie d'en prendre une pour ma maison. Je sais pas, j'ai envie d'une ambiance de Noël. C'est pas mal, c'est cool. Mais on en prend une ou deux? Deux, non? Bah ouais, je pense. Okay. Ah, t'as vu? 14 balles, t'as non. Elles sont horribles. Pour en haut, non, les moches. Oh, remarque, c'est mignon. Combien? 7,50. En même temps, c'est complètement con d'acheter ça alors qu'on achète rien avec. Ouais, on verra quand on achètera tout. Ouais, de ouf. Tu crois que je devrais acheter ça pour moi plutôt? Ouais, trop mignon. Merci. Il est dans son élément. Mais c'est ça là, c'est horrible. Non, ça là, comme moi. Ah putain, c'est trop bien. Ouais. Je trouve que la taille elle est grave bien. Mais tu penses que c'est mieux de le mettre là ou là? Là, c'est mieux. Tu trouves? Il faut que les gens nous disent. Après, ils peuvent nous dire vu qu'on le décore que lundi. Vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est mieux ici ou dans le coin ici? Non, en vrai, c'est bien ici là. Trop bien. Ça crache le papier? Non.
Bon, du coup, je suis trop contente de savoir, il est trop mignon. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous parler, surtout qu'il y a toujours Jérémy, donc du coup, c'est toujours un peu malaisant de vous parler alors qu'il est à côté. En fait, vous nous avez vu vraiment galérer à trouver un sapin, des trucs et tout. En fait, on se rendait pas du coup, pour tout vous dire, on n'est pas très Noël à la base. Cette année, je pense que les Vlogmas me rendent très très Noël et me donnent trop envie d'acheter plein de trucs. Sinon, je suis pas du tout Noël, Jérémy non plus. On n'a jamais fait de sapin. Nous, ça a toujours été comme ça. Et du coup, on connaissait pas du tout les prix des sapins, on connaissait pas. Et puis, on s'est dit, là, on se motive cette année, mais enfin, on va pas acheter des guirlandes à je sais pas combien, alors que ce sera peut-être la dernière fois qu'on fera ça. Enfin, voilà. Ça vous paraît peut-être bizarre, mais nous, c'est pas trop notre truc. Bref, ce que je voulais vous dire, là, comme il est tard, il est 21h21, vous savez que moi, je travaille le week-end au printemps. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de vlog le week-end. Vous voyez cette vidéo le samedi, parce que nous sommes vendredi, ça sort le lendemain, mais il y a toujours un jour de décalage. Donc, le prochain vlog que vous allez voir sortira mardi, et ce sera le vlog où on va décorer le sapin. Donc, je suis trop trop contente, parce que bah, je suis trop contente quoi, décorer le sapin. J'attends que ça, là, j'ai trop envie. Mais du coup, il nous manque des guirlandes, et puis là, il est trop tard, j'ai envie de faire ça bien. Lundi, je vais me réveiller. On va aller acheter les guirlandes qui manquent, etc. On va tout décorer, on va faire un vlog ensemble et je pourrai enfin vous faire cette quiche que je veux vous montrer depuis tant de temps, mais que j'ai jamais pu vous montrer au final. Bref, du coup, j'aimerais bien vous montrer tout ce qu'on a acheté, parce que j'ai acheté aussi des petits trucs de beauté. Donc, Jérémy, il a acheté une polaire chez Uniqlo. Du coup, pour le sapin, on a acheté des guirlandes. Alors, vraiment, on n'est pas des pros. Genre, je vous ai dit, c'est pas du tout notre délire, donc notre sapin, je sais pas s'il va ressembler à quelque chose de bien. On est allé chez Emma. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'ils avaient plein de trucs et en fait, ils avaient rien. Donc on a quand même acheté des petites guirlandes lumineuses. Franchement, ça vaut trop le coup. Je sais plus combien c'était. C'est 5€ l'unité, je crois. Enfin, vraiment pas cher pour des guirlandes. Donc on a acheté des multicolores comme ça. Et on a acheté des dorés. Moi, j'aimerais bien faire un sapin doré rouge. Voilà, je sais pas si ça se fait, mais je pense. Ensuite, pour moi... j'ai plus de batterie. J'ai acheté des guirlandes pour mettre dans mes escaliers. Ça, je vous filmerai lundi aussi. J'ai trop hâte de les mettre, ça va être trop mignon. Et en beauté, au final, on a quasiment rien acheté. Enfin, vraiment, on était dégoûtés. Il y avait genre, c'était 5€, les toutes petites boules et tout. Enfin, il y avait rien qui nous plaisait. Jérémy, il a acheté plein de brosses à dents. Du gel douche, bon, c'est pas très intéressant. Il y avait plein de promos et moi en fait en ce moment j'ai les ongles tout cassés à cause du semi permanent que j'ai fait avant le confinement. Heureusement qu'il y a les compléments alimentaires qui m'aident, mais je me suis racheté un produit qui est vraiment trop trop bien. C'est le Mavala Scientifique K+, ça s'appelle. C'est un soin que j'utilisais avant qui est miraculeux. Ça vous durcit les ongles, mais c'est vraiment trop trop bien. Je pense que si j'ai le temps, je vais essayer de m'enlever mon vernis et me mettre juste ça. C'est vraiment, c'est comme de l'eau, c'est à dire que vous le mettez sur votre doigt, ça pénètre et ça fait pas du tout de brillant, ça fait, c'est pas un vernis, donc c'est un petit produit comme ça. Voilà. J'ai aussi racheté de la base. Moi, vous savez que j'aime trop la base de chez Kiko, mais là il n'y avait pas de Kiko. Donc j'ai acheté une base Mavala. C'est une base protectrice qui prévient du jaunissement des ongles et prolonge la durée du vernis. Sachant que moi, comme vous savez, avec les tournages, souvent on met du vernis, il n'y a pas de base, etc. Donc ça m'abîme vraiment les ongles et ça peut les jaunir. Donc c'est pas très joli. Donc j'ai acheté une petite base et il y avait une promo. Franchement, j'aime pas trop les vernis Mavala, honnêtement. Mais il y avait une promo. Enfin, je sais pas, j'en ai acheté. Je sais pas pourquoi. J'ai acheté deux vernis. J'ai acheté le 56 Riga et le 312 Poétique Rose. Toujours des roses, hein, vous me connaissez. Vous voyez un peu. Super joli. Bon, ma caméra coupée, je suis vraiment désolée. Mais du coup, je crois que c'est tout pour le haul. Non, on n'a rien acheté d'autre. Alors moi, j'ai un truc à vous demander. S'il vous plaît, les pros du sapin, je suis sûre qu'il y a des pros des sapins parmi vous. Donnez-nous des conseils. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il faut qu'on achète? Parce que ce vlog sort samedi et on fait les achats lundi. Donc moi, j'ai besoin de savoir bah, qu'est-ce qu'il nous faut. Je sais qu'il nous faut un petit truc pour en haut, là, du sapin. Donc j'ai hâte de faire ce sapin, je suis trop excitée et j'ai trop envie de m'acheter des petites bougies, des petites tasses de Noël, des petites tisanes de Noël. J'ai trop envie de tout ça, je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu, donnez-moi des conseils. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter ma vidéo, je vais m'en grignoter un petit peu et je vais aller me coucher. Enfin, je dis ça, il sera sûrement 2h du matin. Mais voilà, parce que demain je travaille, donc ça va pas être facile. Et puis voilà, si vous avez d'ailleurs des magasins à nous recommander pour acheter des trucs de Noël, je suis vraiment preneuse parce que chez Truffaut, il y avait quelques trucs et on savait pas trop par rapport au prix. Chez Emma, il y avait rien. Donc si vous avez d'autres recommandations, dites-moi ça dans les commentaires. Et je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour évidemment avoir encore plus d'informations. Et vous savez, sur Instagram, je réponds à tous vos messages. En ce moment, je suis un petit peu en retard, c'est de répondre au fur et à mesure, mais c'est dur, mais vous inquiétez pas, je répondrai à tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve mardi dans le prochain vlog. Mouah.